Campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. La direction régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant de Bekaye vient de lancer officiellement ses activités de commémoration de la 23e édition des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Décrétée par les Nations Unies, cette campagne qui a coïncidé avec la visite du chef de l'État dans le Bekaye a permis aux acteurs de défense des droits de l'homme de réitérer leur engagement de lutter contre cette pratique. Pour Kaba Fofana Fanta, directrice chargée de l'égalité du genre, représentant la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la lutte contre la violence fait partie des priorités du gouvernement. Quand nous disons tolérance zéro, nous luttons également contre l'impunité. La Côte d'Ivoire, qui aspire à être un pays émergent en l'an 2020, ne saurait désormais tolérer ce genre de pratiques honteuses. Le message semble être bien perçu dans la région de Bekaye. Les chefs coutumiers et religieux ont réaffirmé leur engagement d'accompagner le gouvernement dans la lutte par la signature d'une déclaration. Une visite guidée a permis aux personnalités venues à la cérémonie de découvrir le complexe socio-éducatif de Bouaké.